Merci pour cette leçon extrêmement inspirante, Daniel. J'apprends avec toi. Et je dois vous dire que je suis ici aussi grâce à Daniel, pas juste parce qu'il m'a invité à venir aujourd'hui, mais c'est aussi la première fois où on s'est rencontrés, où j'étais juste jeune chercheur après être passé à Thalès sur d'autres sujets, sur les images satellites. Je travaillais sur l'estimation des ressources solaires et j'avais eu l'occasion de le rencontrer à l'IPVF. Il me disait, c'est vraiment important, nous on travaille sur le matériel de pêche, l'hameçon, l'épuisette, et vous travaillez sur la taille des poissons, où ils se trouvent ces poissons. Donc on travaille ensemble en fait. Où sont les poissons? C'est nous. Et comment on les attrape? C'est Daniel. Et donc aujourd'hui, je vais essayer de vous parler des poissons. Des poissons, des gros poissons, etc. Et donc parler de l'importance, de la variabilité aussi, spatiale, temporelle, on va voir aussi angulaire. Comment on fait pour caractériser aussi les moyens de caractérisation et de prévision, c'est-à-dire de savoir ce qui va se passer dans le futur, des moyens, de la ressource solaire par les moyens d'observation de la Terre. Les moyens d'observation de la Terre, ce que j'entends par là, c'est les images satellites, les mesures in situ et les grands modèles numériques de la Terre, c'est-à-dire modèles numériques météorologiques et les modèles météorologiques de chimie transport. Alors, quelques mots d'abord pour parler un peu de l'école d'ingénieurs dans laquelle je travaille. Le premier chiffre, c'est 1783, la date de création de cette institution. Et le bâtiment qui est ici, c'est celui qui est au Jardin du Luxembourg, enfin représenté, 60 boulevard Saint-Michel, mais ce n'est pas depuis 1783, c'est depuis 1816. C'est la première école française d'ingénieurs dans le volume de recherche contractuelle. C'est une particularité de l'école que de faire de la recherche partenariale. Nous avons, en incluant les doctorants, 1500 étudiants inscrits, 400 élèves ingénieurs qui vont sortir avec le diplôme tous les ans, pas tous les ans, en dans tout, 190 ingénieurs civils diplômés, 90 docteurs, et nous avons 225 enseignants-chercheurs pour à peu près 1000 employés dans l'institution. Nous sommes adossés, l'institut est adossé à des centres de recherche qui sont organisés autour de 5 grands domaines. Les sciences de la Terre et de l'environnement, qui sont un peu l'origine, la géoscience, l'origine de l'école. L'économie, le management et la société. Les mathématiques et les systèmes. La mécanique et les matériaux, qui est aussi une des origines de l'école. Et énergétique et procédés. Nous avons 5 implantations, j'en ai parlé, Paris au centre, à côté de 60 boulevard Saint-Michel, mais aussi à Palaiseau, à Évry, Fontainebleau et à Sophia Antipolis, à côté de Nice, grâce à Pierre Lafitte, qui a disparu hélas en septembre, et qui était un ancien directeur de l'école des mines, et qui est à l'origine de la création de la technopole de Sophia Antipolis près de Nice. Ce que je peux dire aussi, c'est que l'école est partenaire, institution composante de l'Université Paris Sciences Lettres, dans lequel, par exemple, vous avez toutes ces institutions. Là, il y a 11 institutions d'enseignement et de recherche, et nous avons aussi des associés comme le Collège de France, qui fait partie aussi de PSL. Le département énergétique et procédés, je représente ce département, j'en suis le responsable. Il est composé de 4 centres de recherche, 2 en région parisienne et 2 à Sophia Antipolis. Nous en avons un centre d'efficacité énergétique des systèmes, à Palaiseau. Un centre thermodynamique des procédés. À Sophia, nous avons Percé, qui est un centre sur les procédés énergie renouvelable et systèmes énergétiques, incluant les smart grids, qui est un domaine émergent de recherche et pour l'intégration des énergies renouvelables. Et enfin, le centre Observation Impact Énergie, dans lequel je travaille, qui mène des recherches sur l'estimation des ressources renouvelables, dont le solaire, qui fait l'objet de la présentation aujourd'hui, et les analyses des impacts environnementaux. Daniel en a un petit peu parlé, en utilisant les méthodologies d'analyse de cycle de vie. Et nous générons des données scientifiques et nous faisons attention aussi à les rendre disponibles, et nous faisons des activités de recherche qui cherchent à disséminer nos données scientifiques, notamment, vous allez voir, sur l'énergie solaire. Alors, rentrons dans le vif du sujet, je reprends un peu des chiffres que Daniel avait évoqués, un peu d'une façon un peu différente. La Terre, effectivement, est à 150 millions de kilomètres. Nous sommes une tête d'épingle à 150 millions de kilomètres, puisque
6300 et quelques kilomètres, 70 kilomètres d'atmosphère, donc rien. Imaginez que cette boule de feu à 150 millions de kilomètres émet de manière isotrope cette même quantité de puissance, quelles que soient les directions, et donc l'angle solide que correspond à quoi correspond à la Terre est vraiment petit, et malgré tout, c'est 175 millions de gigawatts de puissance rayonnée à chaque instant. Ça veut dire qu'en faisant, en comptant 60 minutes, le temps de notre présentation aujourd'hui, de ma présentation aujourd'hui, un petit peu moins j'espère, eh bien la Terre et son atmosphère reçoit l'équivalent de ce que nous, humains, consommons toute énergie confondue. Énergie primaire, finale, on s'en fout. Ça fait à peu près 170 pétawatt heure, c'est pas rien. Et ça encore pour 4 à 5 milliards d'années. Alors il se passe un certain nombre de choses. Ici, ça représente le haut de l'atmosphère. Je ne vais pas tout expliquer ici, mais ça permet de voir que, en fait, on parle souvent de constante solaire là. C'est 1362 watts par mètre carré. C'est l'énergie que l'on, pardon, c'est une puissance que l'on mesurait en faisant la moyenne annuelle de la quantité de, en haut de l'atmosphère, sans compter l'atmosphère, en étant tout le temps perpendiculaire au rayon du Soleil. Bien sûr, vous savez que la distance Terre-Soleil évolue à peu près 1,7% de distance. Ça fait une évolution à peu près au carré de l'inverse du carré de la distance de 3,5%. Donc c'est une moyenne, 1362. Et il faut savoir que ça intègre tout le spectre solaire et c'est relativement stable. Il y a certes une activité solaire qui fait une fluctuation, mais elle est de l'ordre de 0,2%. Intégrée sur tout le spectre. Bien entendu, quand on regarde spécifiquement dans certains domaines du spectre, notamment dans l'ultraviolet, cette évolution en haut de l'atmosphère est beaucoup plus importante, presque soit 50 ou 60%. Fort heureusement, cette quantité d'énergie est absorbée par l'ozone, par exemple, dans l'atmosphère. Donc, en moyenne journalière, c'est-à-dire rapportée sur 24 heures et en moyenne sur toute l'année, en haut de l'atmosphère, il nous arrive 342 watts par mètre carré. Une certaine quantité de cette énergie va être réfléchie par l'albédo de l'atmosphère, notamment les nuages, c'est essentiellement les nuages qui vont réfléchir. Ce qui fait que, quand vous regardez une image satellite, les nuages apparaissent brillants, parce qu'ils ramènent de cette énergie-là. Certains photons très courageux vont continuer à traverser l'atmosphère, vont être absorbés par l'atmosphère, donc ça va faire chauffer l'atmosphère, et encore plus courageux, il y en a certains qui vont nous arriver à la surface de la Terre, certains sans avoir été trop perturbés par l'atmosphère, et certains qui vont finir par arriver à cet endroit-là. Et donc ça correspond à 168 watts par mètre carré. Et une partie va être réfléchie et ramenée vers l'espace. Voilà le trajet de cette atmosphère, de cette énergie. Donc effectivement, il y a une taxe entre ce qui arrive en haut de l'atmosphère et ce qui arrive en bas de l'atmosphère. Et quand on parle des 175 millions de gigawatts, effectivement, toute cette énergie n'est pas accessible au niveau de la surface de la Terre. Il y a une partie qui est absorbée par l'atmosphère. Et cette partie-là, sachez qu'elle elle engendre les mouvements de l'atmosphère, et donc, notamment l'énergie éolienne, c'est une énergie solaire. D'ailleurs, l'énergie biomasse, c'est une énergie solaire. L'hydro, c'est une énergie solaire. Quasiment toute l'énergie sur Terre provient du soleil, d'ailleurs. Le charbon aussi, bien vu. Et le pétrole aussi, c'est de la biomasse. Alors, si on se dit, bon, effectivement, vous nous dites que 60 minutes, on arrive à avoir l'équivalent de ce qu'on consomme dans une année, qu'en est-il de ce qui arrive au sol, en fait? Et ici, c'est une représentation intéressante, il me semble, juste pour l'esprit, c'est-à-dire que si on avait un carré de 840 km par 840 km de panneaux photovoltaïques à plat, je ne cherche même pas à les optimiser, des rendements pas terribles, 15%, eh bien ça produit autant d'énergie qu'on consomme en une année. Et le petit carré en rouge, c'est l'équivalent pour la France. Donc ça vous donne une idée de la quantité d'énergie qui nous arrive en bas de l'atmosphère. Juste que ici, ce n'est pas forcément une très bonne idée d'installer tous nos panneaux photovoltaïques. Et je pense que le peuple saharien, par exemple, ne serait pas très d'accord. Et donc, ces 800 par 800 km, ça fait à peu près 100 TWh, et ça correspond à moins d'1,25% des surfaces agricoles humaines. Et ça correspond à peu près à la surface urbaine en 2015 de la Terre. Donc, ce n'est pas non plus des surfaces, c'est des grandes surfaces, évidemment, mais au regard de l'activité humaine, c'est à peu près les surfaces urbaines et c'est moins de 2% de la surface agricole. On est capable de... Donc, Daniel en a parlé un petit peu, je vais aller vite. On est capable de convertir cette énergie solaire. Oui. Tout à l'heure, vous avez dit qu'il ne faut pas mélanger
Ouais, là, là. Oui. Oui, absolument. Ah non, bien sûr, mais je. Ça, c'est bien une capacité installée. Donc les 800 km par 800 km, c'est une capacité installée. Donc ça, c'est si j'avais 1000 watts par mètre carré, j'éclaire 1000 watts par mètre carré ici, j'ai 107 terawatts électriques qui sort. Donc ça, c'est une puissance. Et ensuite, ça va produire une certaine quantité d'énergie. Et cette quantité d'énergie, c'est celle qui est là, là. Voilà. Et ça correspond à un facteur de charge de 18%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces 107 terawatts pic, s'ils avaient un rendement de 100% tout le temps, on produirait l'équivalent de 8760 heures fois 107 terawatts pic. Ça donnerait beaucoup plus que cette quantité-là. Et comme on a un rendement de 15%, un petit peu moins de 15%, j'ai pris, hein, eh bien, on a un ratio entre ce que produit le système et ce qu'il aurait dû produire s'il produisait à la pleine puissance tout le temps. Et ça, ça fait 18%. Ça répond à votre question ? Effectivement, là, ça, c'est des puissances. Et là aussi, c'est un peu compliqué. C'est que c'est des moyennes. Je pensais que vous alliez poser la question ici. C'est des moyennes, en fait. Ça devrait être des énergies qu'on ramène par heure. Donc, ça, c'est homogène à des watts par mètre carré. Mais c'est quand même compliqué à comprendre. Je préfère des graphes en énergie pour le coup. Alors, les conversions directes en énergie thermique sont possibles. On peut faire, par exemple, la production d'eau chaude sanitaire. Daniel en a parlé. On peut faire de la cuisine solaire. Sachez, par exemple, à Marseille, vous pouvez aller dans un restaurant qui s'appelle Le Présage, et vous pouvez manger avec de l'énergie solaire et faire des festins photoniques à partir de la nourriture marseillaise cuite avec des cuiseurs solaires. On peut faire de l'eau chaude, c'est moins fun, mais on peut faire de l'eau chaude. On peut, bien entendu... Bon, je pense qu'on va passer vite sur ce sujet-là. On peut faire de la production directe en électricité par des capteurs photovoltaïques. Peut-être un peu moins connu, on peut faire de la conversion thermodynamique en énergie électrique. Donc, c'est tout ce qui est système à concentration qui permet... En fait, on peut faire de l'énergie électrique avec de la chaleur, sauf que pour avoir un rendement correct, il faut avoir de très hautes températures. Et pour avoir des très hautes températures avec moins de 1000 watts par mètre carré, il faut concentrer le solaire. Et donc là, ici, les facteurs de concentration, en gros, c'est le ratio entre la surface collectrice et la surface ou le tube collecteur, ici. Donc ici, par exemple, entre ce point de focalisation et la somme des surfaces des héliostats, il y a un facteur 1000. Donc ici, vous avez 1000 fois le soleil, ici, là-haut. Voilà. Et donc là, vous avez des rendements extrêmement importants du système thermique. Et un des avantages aussi, c'est que ça ne produit pas le photovoltaïque, produit au fil du soleil. On produit l'électricité au fil des photons qui arrivent. Ici, les photons, on les transforme en énergie thermique. On le stocke. Facile de stocker l'énergie thermique. Et quand on en a besoin, on le déstocke avec une turbine. Et on récupère de l'électricité. On peut faire de la conversion aussi. Donc, je vous engage, effectivement, si vous avez l'occasion, de visiter Odeillo, dans les Pyrénées, avec le site de Promesse, qui est absolument fabuleux, où on voit des installations comme ça. On peut faire la conversion en énergie chimique par voie photochimique. On peut parler, par exemple, c'est de la recherche, hein, de la photolyse de l'eau pour la production d'hydrogène, sans passer par de l'électrolyse. Alors, quelques définitions, justement. Alors, on parle d'éclairement. Alors, souvent, on entend le terme irradiance, c'est un terme en anglais. Le terme français, c'est éclairement. C'est un flux énergétique par unité de surface. Donc, c'est un flux en puissance. C'est une puissance par unité de surface sur un plan incident, et c'est exprimé en watts par mètre carré. Quand on l'intègre pendant un temps, on obtient une irradiation solaire. Donc c'est une intégration de cet éclairement exprimé en joules par mètre carré, mais les énergéticiens préfèrent le watt par mètre carré qui correspond à peu près, enfin pas à peu près, à 3600 joules par mètre carré. Et bien entendu, cet éclairement en fait vient d'une luminance. Donc c'est un flux énergétique par unité d'angle solide. Et c'est sûr que quand on est dans l'espace, l'ensemble du rayonnement solaire, l'éclairement, vient de la direction du Soleil. Donc c'est un petit angle solide de 0,26 degrés. Par contre, quand vous êtes sous l'atmosphère, vous avez de l'énergie solaire qui vient essentiellement, quand vous n'avez pas de nuages, de la position du Soleil, mais aussi du reste de la voûte céleste. Eh bien, cette décomposition, la distribution angulaire de cette énergie s'appelle la luminance. Donc c'est un éclairement rapporté par angle solide, orienté en azimut en élévation.
Alors, c'est quand on parle de caractérisation solaire, on essaie de caractériser cette ressource solaire en fonction des moyens de conversion. Je m'explique. Un système, l'énergie solaire va avoir un spectre en haut de l'atmosphère qui ressemble à un spectre, le spectre jaune que vous voyez ici, entre 250 nanomètres et, disons, 4000 nanomètres dans les longueurs d'onde. Ici, on voit ici une belle courbe qui est celle d'un corps noir qui serait à 5700 degrés Kelvin. Donc c'est ce rayonnement-là avec un maximum aux alentours de 550 nanomètres. Et ce que vous voyez en gris, c'est ce qui arrive effectivement au sol en moyenne. Et d'ailleurs, c'est ce spectre-là qui est utilisé comme référence pour la production, les rendements des systèmes photovoltaïques. Il a un nom à STM, j'arrive pas à le lire, mais il a un nom. Il correspond à une certaine quantité d'aérosols et de vapeur d'eau dans l'atmosphère. Donc on voit les absorptions de l'eau, on voit l'absorption, j'ai pas le temps de préciser, mais on voit l'absorption de l'ozone dans le domaine de l'ultraviolet, on voit les différentes raies d'absorption de la vapeur d'eau, et on voit le CO2 qui commence à absorber fortement le rayonnement solaire à partir de 1500-1700 nanomètres. Et donc c'est très important de savoir quelle est la distribution spectrale du spectre solaire, par exemple pour les systèmes photovoltaïques qui n'ont pas les mêmes sensibilités spectrales. Un système monocristallin va avoir cette sensibilité spectrale, donc il ne va pas être sensible à ce qui se passe dans cette partie-là du spectre, alors qu'un amorphe va être sensible uniquement dans cette base-là du spectre. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle les rendements sont faibles, relativement faibles, car ils sont calculés par rapport à l'énergie intégrée sur tout ce spectre-là. Donc si vous êtes sensible uniquement sur cette partie-là, vous ne pouvez pas avoir ce rendement important. Alors qu'un système thermique, comme disait Daniel, avait un très bon rendement, car les systèmes thermiques ont un rendement qui sont quasiment plats, peut-être coupés à 2500 nanomètres par la présence du verre qui vient couper le rayonnement dans ces longueurs d'onde-là. Donc on va aller chercher l'énergie aussi à cet endroit-là. C'est important aussi de caractériser de manière angulaire. Je vous parlais de la luminance. Cette luminance, si je l'intègre sur tout l'hémisphère, on va parler de rayonnement global, le rayonnement, l'éclairement global. Si je l'intègre devant, sur un plan incliné, sur un hémisphère devant le L, ce sera le rayonnement global incliné. Un système photovoltaïque est sensible à cette quantité-là d'énergie. C'est l'intégrale de la luminance devant son hémisphère devant lui. Le rayonnement direct, qui vient uniquement de la direction du Soleil, plus ou moins un petit angle solide, parle uniquement pour les systèmes à concentration solaire. Pensez à des jumelles. Quand vous regardez avec des jumelles, vous voyez avec un grossissement, mais votre champ rétrécit. C'est la même chose pour un système à concentration. Quand vous avez une forte concentration, le champ de vue de l'instrument va diminuer. Et donc, pour produire de l'énergie avec ça, la seule façon de le faire de manière efficace, c'est de pointer ce système-là vers le soleil. Évidemment, on a un très bon rendement par rapport à cette direction-là, mais uniquement sur la composante du rayonnement direct. Donc, c'est important de bien comprendre ces aspects-là, parce que les moyens de conversion sont en relation avec les caractérisations angulaires. Alors, je ne veux pas rentrer trop dans les détails, mais sachez qu'actuellement, il y a quelque chose qui change dans notre domaine de la ressource solaire. Jusqu'à présent, un système photovoltaïque, c'est un panneau ici, où on va s'occuper que de l'énergie qui arrive le long de ce panneau en fonction du cosinus de l'angle d'incidence. Donc là, ici, ça représente la luminance du ciel et on va intégrer tout ça, le rayonnement direct. Mais maintenant que les systèmes photovoltaïques, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, les systèmes bifaciaux, eh bien, on est sensible à la fois à la face avant et à la face arrière. Donc la production n'est pas que quand le cosinus θi est supérieur à zéro, il est aussi quand le cosinus θi est négatif. Eh bien, on est en train de discuter à l'échelle internationale sur comment on va appeler les autres composantes. Donc on aura besoin du rayonnement direct sur face arrière, le rayonnement direct en face arrière réfléchi par le sol, le rayonnement, etc., diffus, etc. Donc tout ça nécessite d'être défini, car nos moyens de conversion ont évolué. Merci Daniel. Alors pour comprendre aussi cette histoire de cosinus d'angle d'incidence, c'est quand même important de comprendre ça, je pense. J'ai représenté un panneau solaire à l'horizontale et la course du soleil. Alors je me suis mis à 1000 latitude le 21 juin au solstice d'été et au solstice d'hiver, au moment où le soleil est le plus haut, au moment où le soleil est le plus bas. Et là, je représente le cosinus de l'angle d'incidence. Qu'est-ce qui se passe quand le soleil se lève? Quand le soleil se lève, le mètre carré qui est ici
va être vue avec un angle, avec une surface apparente bien plus faible, qui est modulée par le cosinus d'angle d'incidence. Et donc, en fait, la quantité d'énergie que je suis capable de percevoir du rayonnement solaire direct va être modulée par ce cosinus d'angle d'incidence. Et donc, ça va bien en été, mais en hiver, que le soleil est bas sur l'horizon, eh bien, ce cosinus d'angle d'incidence est très faible. C'est pour ça qu'en hiver, si vous avez des panneaux, c'est ce que montrait Daniel, vous avez des panneaux à l'horizontale, vous ne captez pas beaucoup d'énergie parce que vous avez cet effet d'un soleil bas sur l'horizon. La première chose à faire, c'est d'incliner les panneaux. Quand j'incline les panneaux, qu'est-ce qui se passe? Regardez pour l'hiver. Je me mets plus en adéquation avec l'hiver. J'augmente la quantité d'énergie que je suis capable d'utiliser en hiver. Mais j'ai légèrement dégradé ce qui se passe en été. Notamment, par exemple, le matin, le soleil se lève et éclaire la face arrière des panneaux. Ce n'est pas des panneaux photovoltaïques bifaciaux, eh bien, je ne peux pas l'utiliser. Je peux aussi suivre le soleil, rêve d'ingénieur, du solar tracking, qui suit à chaque instant la position du soleil. Le cosinus de l'angle est égal à 1. Je ne peux pas faire mieux. Je ne peux pas faire mieux, si j'étais sur la Lune. Parce que, et bien entendu, je n'ai pas que du rayonnement direct. Et si je n'ai pas que du rayonnement direct, je n'ai pas forcément une optimalité comme ça. Imaginez à Brest, enfin, je ne veux pas être désagréable pour les Bretons, mais le rayonnement direct, il n'y en a pas beaucoup, quand même. Donc, ce n'est pas la peine de mettre des systèmes à tracker comme ça, c'est un peu cher. C'est beau, mais c'est cher. On peut aussi faire des compromis, et c'est ce qu'on voit de plus en plus, hein, les systèmes solaires à tracker sont pas chers, pour plein de raisons techniques, sont bien moins chers avec juste un axe, autour de l'axe nord-sud. Donc le soleil se lève comme... Le nord-sud est là, le panneau fait comme ça, à l'ouest, et vient se coucher à l'est. Et donc on arrive à des rendements qui sont moins bons que 1, mais quand même on arrive à faire... Bon, ça fait des choses un peu bizarres en été, mais au global, ça permet vraiment d'augmenter la production électrique avec des panneaux qui bougent avec très peu de moteurs. C'est ça qui est très intéressant. On peut mutualiser la motorisation pour des grandes plaques de panneaux photovoltaïques. Et donc, vous verrez dans le sud de la France, un grand nombre de systèmes maintenant tournent autour de cet axe-là, parce que ça devient intéressant du point de vue financier. Et donc, effectivement, quand j'ai ça représente la quantité d'énergie journalière que je peux capter au cours de l'année sur un panneau à l'horizontale. Donc, on voit bien, ça marche bien en été et ça marche moins bien en hiver. J'incline à 45 degrés parce que je suis à l'altitude de 45. Eh bien, je dégrade un peu en été et j'améliore nettement en hiver. Et quand je fais un suivi deux axes, voyez ce que je peux capter si je n'avais que du rayonnement direct, sur la Lune, par exemple. Et on voit les effets, par exemple, on peut avoir plus qu'un facteur 2 entre à l'horizontale et avec un suivi deux axes. Et on voit la dégradation si on ne fait qu'un axe, etc. Donc ça donne des idées sur la façon de capter cette énergie. Ça ne dépend pas que du soleil, ça dépend aussi de la façon dont on vient capter cette énergie. Évidemment, même à Carpentras, qui est dans le sud de la France, on a des jours ensoleillés, des jours moins ensoleillés, etc. Et donc, ces belles courbes-là, qui sont très lisses et très satisfaisantes, sont bien plus compliquées et dépendent de l'endroit local. Et pour savoir quelle technologie il faut faire pour tel ou tel endroit, eh bien, il faut faire une analyse de cette ressource. Et cette ressource, elle est, ce que montrait Daniel, elle est quand même, même si elle est annualisée, là, c'est des moyennes annuelles, elles sont très variables. Dans l'espace, on voit des effets d'orographie, hein, c'est des altitudes très élevées, pareil pour la chaîne d'Himalaya. On a aussi les zones tropicales, mais on a effectivement ce tropisme latitude qui est lié justement à ce que je vous ai montré sur le cosinus d'angle d'incidence, que l'on peut compenser en orientant les panneaux à peu près à la latitude du point, vers l'équateur. Ça cache, bien entendu, cette carte cache, bien entendu, les rayonnements solaires en mer. Je sais que Daniel y accorde beaucoup d'importance. Et donc, effectivement, on a aussi une certaine variabilité spatiale, y compris en mer, et il y a du rayonnement solaire en mer. Il ne faut pas oublier. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a une certaine... même si j'intègre annuellement, j'ai une certaine variabilité, mais si je regarde dans le détail, par exemple, dans une ville, je vais avoir aussi de la variabilité. Donc, à chaque échelle, je vais retrouver de la variabilité pour des raisons différentes. Ici, c'est des grands schémas météorologiques qui vont influencer la répartition spatiale du rayonnement solaire. Ici, c'est plutôt les ombres portées des bâtiments, etc. À nul endroit, on a un champ flat de rayonnement solaire.
Temporellement aussi, on a des grandes variations. Ici, ça représente la variation du rayonnement global, là, en bleu, là, suite à un passage nuageux. Donc là, on a des petits nuages. Et là, on a un grand passage nuageux qui vient totalement annuler le rayonnement direct. Il ne reste plus que du diffus. Donc on a une certaine variabilité dans la journée qui sont liées essentiellement en Europe aux nuages. Mais dans d'autres endroits du monde, ce n'est pas les nuages qui influencent le rayonnement solaire. C'est la vapeur d'eau ou encore les particules en suspension qu'on appelle aérosols. On a des variabilités jour à jour. Donc là, on voit bien les valeurs journalières de rayonnement solaire sur le plan horizontal, en été, en hiver. Mais on voit des fluctuations parce que d'une journée à l'autre, on a des fluctuations importantes. Annuellement, on a aussi des variations. Donc ici, par exemple, c'est toujours à Carpentras. Donc intrajournalier, la minute, journalier, annuel. Et là, attention, le zéro n'est pas à zéro. Ici, c'est 1400 kWh par mètre carré. Et là, c'est 1600 kWh par mètre carré. On voit que d'une année sur l'autre, on a une certaine variabilité. À peu près 3-4%. Ça dépend des endroits. Mais on peut aussi percevoir une certaine tendance long terme. Et des papiers analysent des séries temporelles de très long terme et ont découvert des patterns temporels d'évolution du rayonnement solaire qui sont intéressants, puisque par exemple, on voit ici, c'est sur des tranches 1950-1980, 1980-2000 et après 2000, on voit des évolutions, alors c'est des watts par mètre carré, par décade. Donc c'est vraiment des signaux très très faibles. Mais on voit que l'Europe et les États-Unis, depuis 1980, ont tendance à voir son rayonnement solaire augmenter. Peut-être est-ce, on ne le sait pas, lié à la régulation de la qualité de l'air. Quand on voit la Chine et l'Inde, on peut dire peut-être que ce n'est pas de régulation sur l'industrie, sur la qualité de l'air. Peut-être, on ne sait pas, mais peut-être. Puisque ça varie dans le temps et dans l'espace, on a besoin de moyens d'observation. Nos moyens d'observation pour caractériser cette ressource solaire sont celles-là, en fonction des échelles spatiales et temporelles du rayonnement. Aux plus grandes échelles, nous avons les modèles météorologiques, donc qui nous permettent d'avoir de l'ordre de la dizaine de kilomètres, 3 heures de résolution. Aux plus fines échelles, et j'y reviendrai, on a les mesures pyranométriques, des capteurs qui permettent de mesurer localement la quantité d'énergie solaire qui arrive au niveau du sol. Et nous avons aussi, entre les deux, donc je parlerai aussi des caméras hémisphériques après, entre ces deux extrêmes, on a des moyens d'observation du rayonnement solaire à partir d'images satellites qui permettent de faire le lien entre ces deux échelles à la fois temporelle et spatiale. Et on va un peu parler de ça. Alors, tout d'abord, les instruments pyranométriques qui permettent de mesurer les différentes composantes du rayonnement. Je vous en ai parlé tout à l'heure. Le rayonnement global, qui va parler plutôt pour les photovoltaïques. Le rayonnement direct, on appelle ça un pyranomètre, qui va regarder uniquement l'endroit où se trouve le soleil et va intégrer le rayonnement solaire uniquement dans l'angle solide du soleil. Ou le complémentaire, le diffus, c'est-à-dire le global moins le direct. Et on a des instruments pour tout ça. Ces instruments sont très chers, sont très difficiles, ils sont très capricieux. Donc il n'y en a pas beaucoup dans le monde. Il y en a quelques-uns, et en France, par exemple, il y en a à peu près 400. Et Météo France se désengage de plus en plus avec ces instrumentations, elles coûtent cher, et leur tendance est plutôt d'arriver à au moins une station par département. Donc on a une diminution de ces mesures in situ, qui sont pourtant fondamentales pour connaître nos modèles, pour évaluer nos modèles de rayonnement solaire. Heureusement, l'industrie du solaire se développe, ont des centrales solaires qui se développent et ont des mesures. Forcément, puisque pour mesurer la performance de leur système, ils mesurent la quantité de rayonnement solaire qui arrive. Il serait vraiment temps que ces entreprises, certaines le font, fournissent ces données, car c'est une donnée commune et qui intéresse les scientifiques pour mieux connaître le rayonnement solaire et pour aider Météo France à continuer à mesurer ce rayonnement solaire à travers le territoire. On a des mesures, des données satellites. Alors, c'est essentiellement des données satellites géostationnaires. Peut-être vous connaissez Météosat. C'est sûrement le satellite le plus connu d'observation de la Terre. On le voit tous les jours aux chaînes d'infos pour la météo. On voit défiler les nuages qui sont clairs, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, et on voit les défilés des nuages. Eh bien, dans les années 80, ont été développés des algorithmes de famille Heliosat qui permet d'évaluer le rayonnement solaire en regardant la luminance mesurée par ces satellites à 36 000 km d'altitude.
La méthode Héliosat 2, qui a été développée à l'École des Mines en 2004, fait l'objet de plus de 1000 citations et un certain nombre d'algos a été repris à partir de cette publication. Et notamment, une base de données, Helioquim 3, à partir de ces données Meteosat seconde génération, avec une résolution de 3 km toutes les 15 minutes, sur le champ de vue de Meteosat, est commercialisée par une entreprise de valorisation de notre recherche à travers un site web que les industriels du photovoltaïque utilisent couramment. On a aussi d'autres algorithmes, et notamment, j'en ai parlé ce matin, je vais y revenir, Copernicus Atmospheric Monitoring Service, Copernicus est un programme européen massif sur la connaissance de l'environnement à travers des moyens d'observation de la Terre. Et notamment, il y a une branche atmosphère. Et dans cette branche atmosphère, nous fournissons les algorithmes qui permettent d'estimer le rayonnement solaire de manière gratuite et disponible pour tout le monde. Donc cette base de données existe et est disponible. Elle permet notamment de voir les nuages défiler grâce à Meteosat, mais grâce à des modèles atmosphériques de chimie transport sur les aérosols et météorologiques sur la vapeur d'eau, eh bien, on peut aussi capter les aérosols et la vapeur d'eau et l'effet de ces derniers sur le rayonnement solaire, même s'il n'y a pas de nuages. Et par exemple, cette représentation-là montre, je ne sais pas si vous vous souvenez, le nuage de poussière qui a traversé la France en février de l'année dernière. On voyait des photos orange, de ciel orange, notamment à Toulouse. Eh bien, vous voyez ici, donc vous voyez l'alternance jour-nuit, mais là, on voit très bien le nuage, l'effet du nuage qui traverse de part en part la France sur la quantité de rayonnement solaire, hors effet des nuages. On a fait le même calcul maintenant aussi pour le passage de l'éclipse, qui inquiète grandement RTE. Comme on a des variations, on peut capter des variations spatiales et temporelles, on a fait des analyses à la fois de variabilité, je ne veux pas rentrer trop dans les détails, donc il y a des thèses qui ont été faites sur comment varie ce rayonnement solaire à l'échelle journalière, avec des techniques avancées de traitement du signal qui permettent de décomposer les différentes longueurs d'onde de variabilité pour mieux les prévoir, on va en parler après. Mais aussi, un sujet d'inquiétude quand même aussi, c'est actuellement, les développeurs de systèmes photovoltaïques, quand ils veulent développer pour un site, ils regardent dans le passé quelle a été la quantité d'énergie qui avait lieu sur ce site. Mais le passé n'est pas forcément le présent, surtout dans un contexte de changement climatique. La question, c'est comment on fait statistiquement, comment on plonge tout ça dans des modèles de projection climatique pour savoir ce qui va se passer dans les 20 à 30 années futures. Cette donnée satellite permet aussi de faire des cartographies, évidemment. Donc on peut faire des belles cartes comme ça, avec des moyennes par département. On peut aussi, ça a été une demande dans les années 2000, c'est presque mon premier travail de recherche, de faire à partir de ces données satellites à 3 km des cartes de la région PACA à 200 mètres de résolution pour avoir des cartes de référence. Pour faire ces cartes de référence, j'ai intégré des mesures in situ, c'est pour ça qu'elles sont importantes, pour caler les modèles, mais aussi j'ai intégré le relief qui permet de rendre compte des adrets, des UBAC, des variations du rayonnement solaire en fonction de l'orographie, le relief qui est alentour. La question d'après, c'est est-ce qu'on peut aller jusqu'au cadastre dont parlait Daniel ? C'est vraiment intéressant, les cadastres solaires urbains, car effectivement, développer du solaire sur l'urbain a plein d'intérêt. On développe sans anthropiser de plus la nature, puisque c'est sur des bâtiments existants. On produit de l'électricité au plus près de la demande, et on a une démographie extrêmement importante et qui évolue en positif dans l'urbain. Donc il faut vraiment produire de l'énergie au plus près. Et le photovoltaïque ne produit pas, pendant la durée de vie, de polluants, ni de gaz à effet de serre, pendant la durée de vie du système. Donc on a un système qui est très vertueux de ce point de vue-là. Donc c'est intéressant de promouvoir le développement du photovoltaïque en urbain. Mais on a vu que tous ces effets d'ombrage sont complexes et on ne sait pas exactement quel est le potentiel. Alors l'ADEME, en 2016, a évalué le potentiel de solaire en France, en urbain, à environ 350 gigawatts crête. Mais ces données-là nécessitent d'être corroborées et c'est la raison pour laquelle on a développé un certain nombre d'algo qui font l'objet d'une boîte qui s'appelle InSun We Trust, qui propose des cadastres solaires gratuitement
Donc c'est un travail qui a été fait avec l'IGN, puisqu'on a besoin de la forme des bâtiments, de la forme des structures des bâtiments, des superstructures, qui permet d'avoir, là par exemple sur Nantes, une évaluation du potentiel de tous les toits. Vous pouvez cliquer sur votre toit et avoir une évaluation en fonction de la quantité de panneaux photovoltaïques en mètre carré que vous voulez mettre sur le toit. C'est gratuit. Actuellement, on travaille sur un projet européen qui s'appelle eShape. Et parmi un grand nombre de pilotes, nous développons le coût d'après des cadastres solaires qui sont des données statiques. C'est une valeur annuelle. Alors qu'un des intérêts du photovoltaïque, c'est l'autoconsommation. Et si on veut faire l'autoconsommation, il faut pouvoir mettre en regard la production photovoltaïque et la consommation presque quart d'heure par quart d'heure, même mieux. Et donc là, on se propose de développer des algorithmes qui permettent de calculer très rapidement, en tout point où on a cette information de bâtiment grâce à l'IGN, eh bien, des séries temporelles de rayonnement solaire et de voir la variabilité que l'on a et de mettre en regard cette production avec l'autoconsommation, par exemple. J'en viens à la prévision solaire. La prévision solaire est très importante parce que vous savez qu'un système énergétique nécessite un équilibre à chaque instant entre la consommation et la production électrique. Or, on a vu que l'énergie solaire est variable dans le temps et dans l'espace. Ceux qui n'aiment pas l'énergie solaire parlent d'intermittence. Mais on n'a pas d'intermittence, on a une variabilité. On n'a pas 0 ou 1, on a des passages nuageux, on a du diffus. Le système est relativement lisse, mais on a une variabilité. Cette variabilité doit être compensée par des moyens de production en vis-à-vis. Et une des solutions pour pallier cette variabilité, c'est de faire de la prévision. C'est une grandeur stochastique non pilotable, jusqu'à un certain point, c'est un débat. On peut presque piloter le système solaire par valeur maximale, mais c'est un autre sujet. Et donc, il faut pouvoir prévoir ce rayonnement solaire. Parmi les différentes sources de variabilité du rayonnement solaire, il y a la position du soleil et de la masse d'air traversée. Ça, c'est totalement déterministe, on peut le calculer, il n'y a pas besoin de le prévoir. La transparence d'atmosphère sans nuages, la vapeur d'eau et les aérosols, c'est un peu plus difficile, mais on y arrive grâce aux modèles de chimie transport et météorologie. Et ensuite, il y a les nuages qui peuvent varier, de faire des variations spatiales et temporelles extrêmement rapides. Et donc, c'est pour ça qu'on a besoin de prévoir cette variabilité induite par la transparence de l'atmosphère et les nuages. Et donc, cette variabilité induit des problèmes de stabilité et de qualité du réseau pour le court terme et nécessite d'être prévue pour l'équilibre à chaque instant entre les moyens de, par exemple, les moyens de stockage, les moyens de différentes sources d'énergie. Il y a aussi des questions sur la vente du marché de l'électricité. Je peux stocker en attendant que le prix de l'électricité soit le plus propice, etc. Et on peut utiliser cette prévision pour faire de l'optimisation, par exemple. J'ai un système qui suit le soleil, j'ai des nuages qui passent, j'arrête de le suivre le soleil. Ce n'est pas la peine de suivre le soleil qui est derrière les nuages. Mais il faut pouvoir le prévoir. Donc on peut optimiser cela. Donc ces moyens de prévision sont importants pour ça. Et donc ces moyens de prévision utilisent les mêmes sources d'informations que j'ai montrées tout à l'heure. Et évidemment, pour tout ce qui est, au-delà de la journée, les modèles météo sont incontournables. Ce n'est pas en faisant une mesure locale ou en regardant le déplacement des nuages qu'on va savoir ce qui va se passer dans 3 jours. Mais le déplacement des nuages perçu par le satellite ou par une caméra hémisphérique ou par les mesures in situ ou un réseau de stations de mesure in situ sont capables d'appréhender les mouvements des nuages et prévoir ce qui va se passer dans moins d'une heure. Et ça, c'est capital pour plein d'applications de systèmes énergétiques. Là, je vous montre un exemple où on voit passer grâce dans un rayon de 50 km par 50 km. Donc ça, c'est une observation par satellite que j'ai rendue visible et jolie à voir avec une table de couleurs qui font penser que ce sont des nuages. Mais en fait, c'est des grandeurs physiques liées à la quantité d'énergie qui arrive au sol. Et donc là, ce que l'on voit à chaque instant, tous les quarts d'heure, je vois déplacer les nuages, vous voyez ? Et en voyant se déplacer les nuages, je sais quelle est la vitesse de déplacement de ces nuages. Et donc je peux savoir, par exemple, si ce nuage-là va finir par arriver et quand, au niveau de l'endroit qui m'intéresse. Et grâce à ce type d'algorithme, je peux savoir ici, là, ici, c'est le temps réel qui est défini par la ligne rouge, ici, c'est l'horizon de temps qui va jusqu'à 2 heures, je peux faire des hypothèses sur la quantité d'énergie solaire qui va arriver dans un quart d'heure, dans 1 heure ou dans 2 heures, avec toute la variabilité possible. Donc on parle de prévision probabiliste. D'ailleurs, ce matin, j'étais dans un amphi qui est juste en bas pour proposer un challenge
à nos jeunes chercheurs, au Challenge Data de la chaire Sciences des données de Stéphane Mala, on a proposé dans le cadre de Copernicus un challenge qui consiste à utiliser des séries temporelles issues de satellites pour appliquer les méthodes les plus fines de machine learning, par exemple, pour faire de la prévision des images suivantes. Donc on attend beaucoup de ces nouvelles technologies pour faire des prévisions encore plus précises que les algorithmes que nous avons actuellement. Voilà un exemple, un très bel exemple de système très avancé que nous avons fait avec EDF R&D, où on couple une vision par au-dessus par le satellite et une vision par en-dessous par une caméra hémisphérique. Donc vous voyez ici, à chaque instant, on voit ce que voit le satellite et on voit ce que voit une caméra hémisphérique, un fisheye, qui regarde le ciel. Et en croisant les deux informations, on peut savoir où se trouvent les nuages en trois dimensions et savoir où se projettent les ombres de ces nuages dans le futur. Donc je ne vais peut-être pas passer ça, c'est un peu, c'est dans le même ordre de grandeur. Et maintenant, j'aimerais bien, il me reste encore... ça va ? Ah. J'espère que ça vous va. C'est vrai, tout va bien ? Ah, là, si vous voulez, je peux vous montrer ça, parce que je trouve ça très bien. Mais je ne veux pas vous... Parce que j'y vais à tambour battant, là, quand même. Parce que je voulais dire plein de choses. Là, c'est un exemple d'application opérationnelle. Ça a été mis en opération par SPI, qui est une entreprise de développement électrique, par une entreprise Solaris, un expert photovoltaïque avec qui on travaille. Donc, c'est une vraie mine d'exploitation aurifère qui est au Mali, qui est totalement déconnectée du réseau, il n'y en a pas. Et jusqu'à présent, ça tourne avec des génératrices diesel. 60 MW de génératrices diesel. Une consommation électrique énorme, donc une consommation d'énergie primaire énorme. Donc un coût, des difficultés d'approvisionnement, parce que c'est un peu dangereux le Mali. Et donc ils sont partis sur une solution avec du photovoltaïque. Mais bien sûr, le photovoltaïque, en zone intertropicale, il y a des moments où c'est tout le temps des ciels clairs et des moments où ça bastonne en termes de nuages qui passent. Et donc il faut quand même, pour profiter des systèmes photovoltaïques au maximum, il faut pouvoir éteindre les génératrices diesel. Les génératrices diesel, c'est des camions, mais même plus gros que des camions. Il y en a certaines qui font 10 mégawatts, des trucs. Pour vous donner un ordre de grandeur, une Zoé, c'est 100 kilowatts. Donc 10 mégawatts. C'est comme un TGV, quoi. C'est ça, à peu près. Hein. Un TGV, c'est 10 mégawatts, je crois, d'énergie de puissance consommée électrique. C'est à peu près l'ordre de grandeur. Et donc, il faut presque un quart d'heure pour la démarrer. Et si vous la laissez au ralenti, c'est comme si elle consommait à plein. Ça ne change pas grand-chose. Donc, il faut pouvoir l'éteindre. Si on veut l'éteindre, eh bien, il faut savoir combien d'énergie solaire on va avoir dans un quart d'heure. Sinon, on va se retrouver à avoir un passage nuageux qu'on n'a pas vu et donc un blackout, puisqu'on n'a pas l'équilibre entre la consommation et la demande. Et donc, on a proposé avec SPI et Solaris une solution, je pense, unique au monde. Parce que beaucoup de mines se mettent à faire de l'hybride, on appelle ça de l'hybride, mais ils mettent un système de stockage pour pallier l'intermittence, la variabilité. Et je me fais avoir. Et donc, ce stockage-là, sur des grands systèmes comme ça de 60 MW, il faudrait au moins, disons, une heure de stockage, 60 MWh, des puissances de 60 MW, ça coûte extrêmement cher. Et imaginez les conditions météorologiques au Mali, d'humidité, de température, durée de vie du système. Donc, ils ont préféré avoir une solution sans stockage. Et donc, il faut vraiment avoir un système de prévision extrêmement performant. Donc, on a couplé une vision par satellite qui permet de faire de la prévision probabiliste et on se met dans le cas pire. C'est-à-dire que même si on prévoit, ce que je montrais tout à l'heure ici, en fait, on voit les prévisions ici, donc elles sont à peu près ramassées, mais il y a des moments où on a vraiment soit une solution à peu près médiane qui est correcte, soit des solutions très... très faible, et on va prendre plutôt la version faible, la version pessimiste. Et donc, on couple ça. Mais vous savez, le satellite, il est limité en résolution temporelle et spatiale, et donc il peut laisser passer des nuages. Et donc, on a rajouté un certain nombre, donc là, il y en a 5, de caméras hémisphériques qui viennent, en dernier rideau, détecter s'il y a effectivement des nuages qui passent. Et s'il y a des nuages qui passent, on met en route les génératrices diesel. Et donc ça ressemble un petit peu à ça.
la vision d'une journée par un système de détection de nuages. Donc on voit... C'est intéressant. On voit le, donc là, ce qu'on voit, c'est quatre caméras qui voient... Alors, pas être du même endroit, donc les nuages ne sont pas vus exactement de la même façon. D'ailleurs, on exploite cette information, cette parallaxe sur les nuages pour remonter à l'altitude des nuages. On voit le soleil avec un beau halo ici, là. Ça, c'est les aérosols dans l'atmosphère. C'est la poussière dans l'atmosphère. Et là, ce que l'on voit, c'est qu'à chaque instant, il y a une détection des nuages. Et le trait, là, c'est le nuage qui est le plus menaçant pour le système. Et donc là, dès qu'il y a un trait, ça donne un instant. Dans 10 minutes, ce nuage peut passer par là. Donc c'est ce que l'on fait pour contrer la perte de production par de l'allumage de systèmes générateurs diesel. Alors maintenant, je voudrais en venir. Donc on a vu la variabilité temporelle, les problèmes de cartes. Donc on a compris aussi qu'il y a, t'en parlais, Daniel, la question de l'emprise au sol. Cette énergie-là, il faut bien qu'elle est là partout. Elle est là, hein, elle tombe partout, même si on n'exploite pas. Mais si on veut l'exploiter, il faut bien trouver les endroits. Quand on se rend compte des grandeurs, effectivement, selon les scénarios d'RTE, il y aura entre 70 gigawatts crête et 206 gigawatts crête. Un gigawatt crête, c'est à peu près 1000 hectares. Donc, selon les scénarios, vous voyez la quantité de surface qu'il va falloir trouver. Je mets quand même en regard les 29 millions d'hectares agricoles de la France. Donc, ce sera quand même une fraction. Mais malgré tout, il faut aller chercher. Et il n'est pas question de gréver l'agriculture, ou en tout cas, il faut faire extrêmement attention à ça, dans le conflit d'usage, tu en parlais. Donc, la question, elle peut être analysée au regard de plusieurs possibilités. Donc, l'ADEME, par exemple, en 2019, a évalué les zones délaissées et artificialisées. C'est vrai que vous avez une ancienne carrière, une déchetterie qui est désaffectée. Eh bien, ce sont des surfaces qui sont intéressantes. Vous faites la somme, on arrive à peu près à 50 gigawatts crête. Donc on a déjà un bon palier. Mais quand on regarde dans le détail, elles sont fractionnées, elles ne sont pas toutes intéressantes, elles ne sont pas toutes faciles. Donc attention. Sur les bâtiments, il y a les ombrières, les bâtiments, les toits des bâtiments. L'ADEME a évalué 360 gigawatts crête. Il faut être plus précis, à mon avis. Et 4 gigawatts crête d'ombrières. Ensuite, on peut penser à l'hybridation entre l'agriculture et le photovoltaïque. On appelle ça l'agrivoltaïsme. Je vais en parler un petit peu après. On peut imaginer aussi, et c'est en développement, le déploiement de photovoltaïque flottant sur les lacs ou sur les en mer. On peut parler de flottovoltaïsme. Voilà. Et pourquoi pas de mettre des panneaux photovoltaïques au-dessus des nuages, et pourquoi pas appeler ça du stratovoltaïsme. On peut. Je sais que tu aimes bien ce genre de raisonnement, Daniel. Alors, sachez qu'il y a un projet à Thalès qui s'appelle le Stratobus, qui est un ballon dirigeable captif qui est à 20 km d'altitude, qui a des fonctions d'observation, etc., mais dont l'énergie est captée par des photovoltaïques, puisque à ces altitudes-là, il n'y a pas de nuages. À 20 km, les cirrus, qui sont les nuages les plus élevés, c'est 12 km, 13 km. Donc, à 20 km... Il n'y a pas de nuages. Bon, il y a du vent, par contre. Et il fait froid. Alors, pour vous parler un petit peu de cadastre solaire, je vous ai montré à Nantes qu'on pouvait cliquer sur chaque bâtiment et savoir, à titre individuel, si je peux mettre du panneau photovoltaïque, le projet eShape, où on peut voir si on peut faire l'autoconsommation avec, mais aussi le fait d'avoir fait tous les bâtiments de la communauté de communes, de 30 km par 30 km de la communauté de communes de Nantes. Eh bien, on peut regarder un peu quel est le potentiel du photovoltaïque. Eh bien, on avait analysé 215 000 toits, soit 33,8 km². Si on installait tous les mètres carrés de toit, ce qui est impossible, on produirait 4,7 TWh d'énergie, c'est-à-dire beaucoup plus que consomme la communauté de communes de Nantes en électricité, avec des rendements 15%, on en est à 20% actuellement. Si on regarde la production annuelle des 10% des meilleurs toits, on peut imaginer que quand il y aura du développement du solaire, ce seront les meilleurs toits, les plus intéressants qui vont être exploités en premier. Si on regarde les 10%, eh bien 10% des meilleurs toits de la communauté de communes produiraient l'équivalent de la consommation annuelle de 20% de la population. Ce n'est pas négligeable. Donc c'est intéressant. Et il faut regarder dans le détail parce que la quantité, ici, ça représente
la quantité de surface disponible en fonction de la qualité du rayonnement solaire qui arrive sur le toit. Effectivement, vous en avez beaucoup qui ont très peu d'énergie. Si vous voulez avoir beaucoup d'énergie sur le toit, il n'en reste que très peu. Donc cette courbe-là, elle doit être évaluée de manière très précise localement pour savoir quel est le vrai potentiel solaire en urbain. On peut parler d'agrivoltaïsme ou d'agrovoltaïsme, c'est pas encore, je pense pas que l'Académie française ait statué sur le nom. J'ai vu la première conférence vraiment sérieuse sur le sujet, enfin sérieuse, que j'ai vue moi en tout cas, c'était en 2018, organisée par l'INES, merci à eux, l'Institut National d'Études d'Énergie Solaire, pardon, avec l'INRAE. Donc c'était une conférence vraiment intéressante sur l'agriculture et le photovoltaïque, où ils ont essentiellement parlé de serres photovoltaïques. Vous en avez peut-être entendu parler. Ce qui est apparu là, c'est que c'est sûrement une bonne idée, mais c'est aussi très dangereux. Parce que il y a eu, donc c'était vraiment ressorti lors de la conférence, c'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup de projets, notamment en Italie, où les développeurs énergéticiens faisaient croire que c'était un projet agricole, mais c'était un vrai projet énergétique. Et donc rien ne poussait en dessous, puisqu'ils couvraient quasiment toute la serre. Alors, à moins de faire des champignons ou de la spiruline, on ne va pas aller loin quand même. Donc, il y a sûrement des super idées. L'INRA est vraiment, vraiment très, très, très intéressé par le développement parce qu'il considère que c'est la seule façon de faire de l'agriculture en atmosphère régulée dans le cadre du changement climatique. Donc, eux, ils pensent que c'est vraiment là qu'il faut aller. Et donc, si on veut vraiment faire, indépendamment de l'énergie, hein, c'est-à-dire de faire de l'agriculture sous serre, et donc d'avoir de l'énergie pour ces serres, pour elles-mêmes, et pour éventuellement vendre le surplus ou faire un complément financier pour les agriculteurs, c'est intéressant. Mais il faut faire attention parce que la ligne de crête entre un vrai projet et quelque chose qui va tuer l'agriculture, elle n'est pas loin. Donc il faut vraiment être très précautionneux. Un truc vraiment intéressant, je trouve, c'est l'émergence des panneaux photovoltaïques bifaciaux qui permettent d'envisager de faire un truc qu'on ne pouvait pas envisager du tout, hein, se mettre des panneaux photovoltaïques à la verticale. Alors, à la verticale, dans l'axe nord-sud. C'est-à-dire que vous avez l'axe nord-sud comme ça, le matin et le soir. Et donc ça... Alors, c'est sûr que vous perdez en production par mètre carré, mais actuellement, les bilans financiers de tels systèmes sont favorables à la fois pour l'agriculture et l'énergétique, et vous laissez toute la place pour la culture. Les tracteurs peuvent passer. Si vous avez de la neige, ça ne tient pas sur les panneaux. Vraiment intéressant. Et on peut aussi voir des projets d'ombrières. Vous avez ici, par exemple, Sonagri qui propose quelque chose pour les vignes. Vous avez une entreprise qui s'appelle TSE, qui est à Sophia Antipolis, qui propose un principe très intéressant, où même les tracteurs les plus grands peuvent passer en dessous. Et ce qu'il faut comprendre dans ça, ici, là, c'est que ce n'est pas un système énergétique non couplé avec un système agricole, c'est une hybridation entre les deux, où le système photovoltaïque, il va produire de l'énergie, mais va aussi produire des services pour l'agriculture. Une plante qui est en stress hydrique, on peut la protéger du rayonnement solaire en lui faisant de l'ombre et en faisant balayer l'ombre. On peut on peut faire des protections la nuit contre le givre, le gel, en oblitérant le ciel trop clair. Donc on peut imaginer plein de choses et tout est à inventer. Il y a encore plein de choses et je pense qu'il y a énormément d'innovations à faire entre l'énergie solaire et l'agriculture. Mais attention, c'est un sujet dangereux quand même. Et vous avez le photovoltaïque, donc le photovoltaïque flottant. C'est quelque chose qui n'existait pas, ça a commencé en 2014. Vous avez un très beau livre sur le sujet qui s'appelle « Where the sun meets water ». C'est très poétique, après le reste est moins poétique. C'est sur les rendements économiques. Et donc là, par exemple, il y a déjà 17 hectares de systèmes solaires qui flottent sur le lac artificiel de Lazer, sur 50 hectares de lac, par exemple. Voilà, ça, c'est un exemple de système photovoltaïque flottant. Et ça a beaucoup d'intérêt, notamment que le système photovoltaïque reste au frais et fonctionne mieux. Et visiblement, aux premiers articles qu'on commence à regarder sur le sujet, ça a un effet bénéfique pour le lac artificiel. Ça limite l'évaporation du lac. Et ça limiterait l'eutrophisation du lac. Donc là encore, un gain intéressant entre les deux. On a lancé nos étudiants en première année sur une évaluation des plans d'eau en France. Et en comptant large, il y a entre 1500, j'ai été surpris par les grandeurs, hein, 1550 et 2450 km² de plans d'eau en France.
selon qu'on exclut les zones naturelles. Je pense qu'il faut les exclure, donc il faudrait plutôt rester sur les 150 km². Ça ferait à peu près 150 gigawatts crête de potentiel de photovoltaïque flottant. Peut-être dans le tas, il y en a qui ne sont pas intéressants, mais il y en a sûrement intéressants. Donc c'est quelque chose à regarder. Et enfin, je voudrais parler de ressources solaires et paysages. C'est quelque chose que j'ai découvert il y a quelques temps en rencontrant des paysagistes de l'École nationale supérieure des paysages. Et on développe une thèse, le doctorant s'appelle Joris Mazafon, dont l'objectif c'est de faire émerger les potentiels de transition par le prisme du paysage, c'est-à-dire de comprendre un territoire et sa transition énergétique au regard de son paysage et des ressources énergétiques du paysage. Et donc là, par exemple, il a travaillé sur trois sujets distincts. Le premier, c'est dans l'arrière-pays niçois, on appelle ça le moyen pays, pardon, où c'est 30 000 habitants pour 80 000 hectares, donc il n'y a pas beaucoup d'habitants. C'est une déprise agricole terrible, il n'y a plus tellement d'activité dans ce coin, c'est un coin magnifique. Et il y a un poste source qui s'est créé où on peut mettre des systèmes photovoltaïques. Si on laisse faire, on va avoir des gros systèmes photovoltaïques de 50 hectares que les gens ne veulent pas. Et donc il faut travailler le territoire, il faut travailler avec ce territoire pour savoir comment le transformer pour que ça serve le territoire. Pas pour faire de l'énergie, pour que ça serve le territoire. Donc c'est ça, ces questions-là d'acceptabilité et de projet de territoire sont vraiment intéressants à regarder par le prisme du paysage. C'est un biais que je ne connaissais pas. Et depuis 4 ans, grâce à cette thèse et Joris Mazafon, le doctorant, on initie nos étudiants, certains de nos étudiants qui ont choisi de le faire, de l'école des mines de Paris, à la pensée paysagère pour que l'ingénierie s'hybride avec la notion de paysage et la notion de projet de territoire. Voilà. Donc je vous passe, ça c'est des dessins que fait Joris, qui permet de voir une vallée où on voit comment on pourrait transformer la vallée qui existe ici, qui était il y a, avant l'ère industrielle, exploitée de manière agricole. Actuellement, les forêts ont repris du terrain. Eh bien, comment on peut relancer l'agriculture, justement en utilisant le biais de l'énergie et de l'énergie solaire. Et comment ça se spatialise. Donc c'est vraiment intéressant. Et nous pensons que si on propose des sujets, des projets de transition énergétique qui donnent une dynamique au territoire, à ce moment-là, les gens seront d'accord. Voilà. Enfin, moi, je pense. Et juste pour finir, et après je vous laisse tranquille, nous avons démarré dernièrement, grâce notamment au travail conjoint avec Valérie Archambault, qui est ici, et je te remercie, une chaire sur les sciences de la donnée appliquées à l'énergie solaire pour la transition énergétique. Vous avez vu que dans toutes les présentations que je vous ai faites, c'est du traitement d'image, du traitement du signal, de la variabilité, de la prévision, tout ça, ça utilise des maths. Et on a compris que nos ingénieurs aiment les maths appliquées. Alors quelque part, au lieu de les faire travailler sur la finance, je n'ai rien de la finance, mais je préférais qu'ils travaillent sur la transition énergétique solaire. Et donc, voilà, on a la chance de pouvoir démarrer cette chaire. Nous avons déjà un industriel qui est d'accord pour travailler avec nous sur cette chaire sur 5 ans, pour travailler justement sur ces questions de prévision, de variabilité, d'implémentation, de systèmes d'information géographique, de machine learning, tout ça, pour attirer nos ingénieurs vers le domaine de l'énergie solaire et pour répondre aux questions nécessaires à la transition énergétique. Voilà. Je vous remercie de votre attention.